Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose, je vous présente mon nouveau projet. C'est un gilet pour une jeune fille, assez original et simple à réaliser. Il vous suffit donc faire deux rectangles, coudre les épaules et les attaches. Et c'est prêt pour être porté. Le point n'est pas compliqué non plus. Il paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Donc, les crochets que j'ai utilisés, le crochet numéro 3 et demi, c'est pour faire la chaînette de mailles. Et pour la réalisation du point, c'est le numéro. Donc, j'ai le diagramme de ce point. Il y a donc c'est multiple de 21 plus une maille et il y a 7 rangs. Donc, c'est pas compliqué. Au début, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. Peut-être le premier rang. Mais après, c'est vraiment très très simple, vous allez voir. Et donc, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé donc la laine assez fine. Ça s'appelle la laine Barberine chez Net. C'est de la pure laine. Dans chaque pelote, il y a 50 grammes. Et j'ai utilisé trois pelotes comme ça et encore un peu de quatrième pelote. Ça m'a fait en tout 160 grammes de laine que j'ai utilisé pour ce projet. Avec le crochet numéro 3 et demi, je fais une maille chaînette de 84 mailles plus une. Donc maintenant je fais 3 mailles, une, deux, trois, et donc à partir d'ici, de cette maille-là, je compte encore 3 mailles. Donc 1, 2, 3. En tout, je dois avoir 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faire le reste avec le numéro 3. Donc une bride, deux brides dans la même maille, deux mailles à l'air et dans la même maille, je fais encore deux brides. Une, deux. Donc maintenant, je fais 4 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4. Et ici, je compte 4 brides et je mets dans la cinquième la maille serrée. Donc je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais mettre dans celle-là une maille serrée. Maintenant, je fais 6 mailles à l'air. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Et ici, je mets la maille serrée dans la quatrième maille. Donc 1, 2, 3, quatrième, 4. Je fais la maille serrée. Maintenant, je mets 4 mailles à l'air. Et sur la maille chaînette, donc je compte 5 mailles et dans la cinquième, je mets une bride. Je fais une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Deux brides. Deux mailles serrées, deux mailles à l'air, une, deux, et dans la même maille ici, je fais encore deux brides, une, deux. Maintenant, je fais trois mailles à l'air, une. 2, 3. Et ici, sur la maïchette, je compte 7 mailles. Je mets dans la septième une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une bride. Je mets une. Et dans la même maille, je mets encore une bride. Deux. Deux mailles à l'air. Et encore deux brides. Donc voilà, je fais le motif de répétition. Donc, c'est donc d'ici jusqu'ici, ça. C'est le motif de répétition qu'on va refaire tout le long de la maille chaînette. Et à la fin, donc je fais une bride dans la dernière maille. Donc voilà, je finis le premier rang. Le rang 2, je fais 3 mailles pour tourner à l'air. 1, 2, 3, 3 mailles. Je tourne le travail et ici, sous les 2 mailles à l'air, je vais faire une bride. Encore une bride. Deux mailles à l'air, au même endroit, une bride et la deuxième bride. Donc ici, ce sera toujours pareil. Ça changera jamais, c'est-à-dire toujours, il faudra faire donc quatre brides avec deux mailles à l'air à cet endroit-là. Donc maintenant, je fais une maille à l'air et dans cet arceau, je vais faire 9 doubles brides. Donc une,
2. Et 9. Donc là et là, c'est la même chose. Et maintenant, donc je fais une maille à l'air. Et ici, sous les deux mailles à l'air, je vais faire une de bride. Deux mailles à l'air et au même endroit encore deux brides. Une, deux. Ici, je fais trois mailles à l'air. Une maille serrée. Encore trois mailles à l'air. Et je fais deux brides sur les deux mailles à l'air. Deux mailles à l'air. Et encore deux brides. Donc voilà ce que ça nous donne. C'est le deuxième rang. Et donc il faut continuer comme ça. Je suis à la fin du deuxième rang et je voudrais montrer comment je fais à la fin ici. Donc je fais la grosse coquille de 9 double brides. Maintenant je fais une maille à l'air. Et ici, donc je fais deux brides au même endroit sur les deux mailles à l'air. Je refais deux mailles à l'air et encore deux brides au même endroit. Et ici, je vais faire une bride dans la troisième maille. Ici, on a fait trois mailles pour tourner. Et donc, je mets dans la troisième maille, je mets la bride. Et je fais trois mailles à l'air pour tourner. Et je commence le rang 3. Donc le rang 3, ici, ça change jamais. Donc je fais deux brides sous les deux mailles à l'air. Deux mailles à l'air. On va tresser ce couple de brides. Et encore deux brides. Donc maintenant ici, entre ce motif et la grosse coquille, je vais faire deux mailles à l'air. Une, deux. Là, au deuxième rang, on a fait une seule maille à l'air. Maintenant, je fais deux. Et maintenant ici, je vais piquer dans la première double bride. Je fais la maille serrée et je fais quatre mailles à l'air. Une, deux, trois, quatre. Je saute une double bride et je mets mon crochet dans la troisième.
J'ai fait la maille serrée. Maintenant, je fais 4 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute une double bride et je fais la maille serrée. Ce sera 1, 2, 3, cinquième double bride. 4 mailles à l'air. Je saute encore une bride, une double bride, une maille serrée, 4 mailles à l'air et je mets mon crochet dans la dernière double bride. Je fais la maille serrée et ici je vais faire aussi deux mailles à l'air entre la grosse coquille et ces deux rangées de petites coquilles. Donc, une, deux. Là, je fais un couple de brides avec deux mailles à l'air entre chaque couple de brides. Donc, une couple de brides, un, deux, et encore une bride. Deuxième. Maintenant, ici, le rang 2, j'ai fait donc 3 mailles et puis une maille serrée ici et encore 3 mailles. Ici, je fais 3 mailles à l'air. En fait, cet endroit-là, si vous voulez, vous pouvez tout simplement faire à chaque rang, vous pouvez faire 3 mailles à l'air. Moi, je le fais ça comme ça. Je trouvais que c'était plus sympa. Mais vous pouvez tout le temps ici faire seulement les 3 mailles à l'air. Et maintenant, donc, je fais une maille, une bride, deux brides, deux mailles à l'air. Et encore deux brides. En fait, ça me donne des petits arceaux comme ça sur la grosse coquille. Et ça, il faut que je le coupe parce que ça me trouble. Donc voilà. Et ici, on voit mieux. Donc là, il y a quatre arceaux. Et donc, il faut continuer toujours comme ça. Donc, entre le grosse coquille, la grosse coquille et ce motif-là, là, il y a maintenant deux mailles à l'air. Et puis après, donc, ce motif qui est toujours pareil et qui ne change pas. Donc, il faut continuer comme ça jusqu'au bout. Et à la fin du rang, donc, il faudra donc faire une bride en piquant dans la troisième maille de 3 mailles de pourtournée qu'on a fait au rang précédent. Donc maintenant, je passe au rang 4. Je suis à la fin du rang, donc je fais 3 mailles pourtournées. Je tourne mon ouvrage. Et je voulais vous montrer où on se situe. On se situe en ce moment. J'ai fait un échantillon, donc plus petit. Donc, ce qu'on vient de faire au troisième rang, c'est ces petits arceaux. On a fait quatre. Et maintenant, on va faire le rang 4,
Donc ici, je fais une maille entre les deux motifs. Ici, j'en ai fait deux, ce qu'on vient de faire. Et maintenant, donc, cette partie-là, ça ne bouge pas, comme ici aussi. Mais ici, donc, les mailles à l'air, ici, entre le gros motif et celui-là, on va augmenter chaque fois une maille. Donc, maintenant, on est à ce stade-là. Donc, ici, je refais ce motif. Et après, je fais trois mailles à l'air. Et après, le petit morceau, petit arceau. Donc, comme on a fait au rang 2. Et d'ailleurs, cet échantillon-là, là, ici, donc, je fais ici, cet endroit-là, ici. Je fais seulement trois mailles entre les motifs. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je recommence mes explications. Donc là, je suis au rang 4. Et je fais 2 brides, un couple de brides, deux mailles à l'air et encore couple de brides. Maintenant, entre ce motif, la grosse coquille, et celui-là, je vais faire trois mailles. Une, deux, trois. Et maintenant, je vais faire une maille serrée dans cet arceau. Donc voilà comme ça. Et je fais quatre mailles à l'air. Dans cet arceau, je fais la maille serrée comme ça. 4 mailles à l'air. Dans celui-là, une maille serrée. 4 mailles à l'air. Et le dernier, une maille serrée. Donc, au rang 2, on a eu 4 arceaux. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, nous n'avons que 3. 1, 2, 3. Donc ici, entre la grosse coquille et ce motif-là, je vais faire 3 mailles à l'air. 1, 2, 3. Je fais donc ici un couple de brides avec deux mailles à l'air entre chaque couple de brides et la deuxième couple de brides. Et c'est ici que je voulais vous montrer. Donc là, ici, à cet endroit-là, sur mon échantillon, je fais seulement trois mailles à l'air entre ces deux motifs. Tandis qu'ici, je fais, donc le rang précédent, je fais trois mailles à l'air et maintenant je vais faire trois mailles à l'air avec la maille serrée au milieu, encore trois mailles à l'air. Et je refais ici donc les brides. Deux mailles à l'air. Et encore
Une couple de brides. Donc voilà, il y a une différence, vous pouvez la voir. Donc c'est le même motif, tout simplement. Ici, je fais une petite fantaisie, là, ici. Et ici, je fais seulement les trois mailles à l'air entre ces deux motifs. Donc là et là. Donc maintenant, je continue. Donc je suis à la fin du rang 4. Donc j'ai fait 3 mailles à l'air. Je fais ce motif. Et surtout, il ne faut pas oublier ici faire une bride dans la troisième maille de maille pour tourner. Ça nous donne un bord net. Donc, trois mailles pour tourner. Et je commence le rang 5. Donc, comme d'habitude, ici, il n'y a pas de changement. Donc, on fait des brides. Deux couples de brides entre deux mailles à l'air entre chaque couple de brides. Et ici, donc, je rajoute encore une maille entre ce motif et la grosse coquille. Donc, c'était 3. Maintenant, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais une maille à serrer dans l'arceau. 4 mailles à l'air. Donc on fait comme on a fait au rang précédent. La seule chose qui change, c'est le nombre d'arceaux. Là, si c'était au début 4, 3, et maintenant il ne reste que 2. Donc ici aussi, je fais 4 mailles à l'air. Là, ça ne change pas. Donc toujours des couples de brides avec les deux mailles entre chaque couple de brides. Voilà. Et ici, donc, je fais 3 mailles. 1, 2, 3. Un autre motif avec les brides. Et donc après, c'est la même chose, exactement la même chose que je viens de faire. Donc je commence le rang 6. Donc ici, c'est sans problème. Donc c'est toujours la même chose. Donc ça change Et pas. Maintenant, ici, entre ce motif-là et la grosse coquille, je vais mettre 5 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pique dans cet arceau, je fais une maille serrée, 4 mailles à l'air. Serré dans cet arceau. Maintenant, je fais 5 mailles à l'air entre les deux motifs. Ici,
Les deux couples de brides avec les deux mailles à l'air. Entre les deux couples de brides. Donc si je fais comme je décide de le faire, 1, 2, 3, mailles à l'air, la maille serrée au milieu, encore 3 mailles à l'air. Et encore donc ce motif. Et donc, il faut faire comme ça jusqu'au bout du rang. Donc, c'est le rang 7. Je suis en train de faire le premier motif. Et donc, ici, nous allons faire 8 mailles à l'air. 8. Donc, une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais la maille serrée dans cet arceau. Et de ce côté-là aussi, je vais faire 8 mailles. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et maintenant, je fais ici ce motif-là, deux couples de brides, deux mailles à l'air, encore deux brides. Ici, je fais 3 mailles à l'air. 1, 2, 3. Une bride. Deuxième bride. 2 mailles à l'air. Une bride. Une autre bride. Et donc, il faut continuer comme ça, ce rang. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, sur l'échantillon que je fais, donc on est à ce stade-là. Donc, il faudra continuer jusqu'au bout de ce rang. Et après, je vais vous expliquer comment il faut faire après, parce qu'en fait, c'était le septième rang de répétition. Et au rang 8, on va recommencer dès le début, comme on a fait au début ici, donc la chaînette de mailles. Pas la chaînette de mailles, mais en tout cas le premier rang. Donc maintenant, c'est le rang 8. En fait, c'est on recommence ce motif dès le début. Donc là, le premier, ça change pas. Donc, et ici, donc je vais faire 4 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4. Et ici, soit vous piquez dans la quatrième maille, donc parce que ici il y en a 8,
Donc, vous piquez dans la maille, ou tout simplement, je pense c'est plus simple, faire la maille serrée comme ça. Là maintenant, ici, je vais faire 6 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de ce côté-là, pareil, soit vous piquez dans la quatrième maille, ici, vous pouvez faire ça comme ça, pour faire la maille serrée. Ou vous faites comme moi je le fais ici, tout simplement sous la chaînette de maille. Donc ici, je fais 4 mailles à l'air, 2, 3, 4. Et là, c'est deux couples de brides avec 2 mailles entre chaque couple. Là ici, donc je continue à faire mon petit motif. Là ici, je fais faire 3 mailles. Avec une maille serrée au milieu et encore 3 mailles. Et encore donc le même motif qu'on vient de faire, celui-là. Donc ça, ce qu'on a fait précédemment, c'est toujours la même chose, donc ça change pas. Là et là, ça change pas du tout. C'est toujours la même chose. Donc ici, il faut faire 4 mailles. Donc là, ici, on fait 4 mailles. On pique ici, on met une maille serrée sous la chaînette. Et puis après, on va faire 6 mailles pour, au rang suivant, commencer à faire 9 doubles brides. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici je fais 6 mailles, comme ici on l'a fait au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais la maille serrée sur l'arceau. Ici, 1, 2, 3, 4 mailles à l'air. Et je recommence donc ce motif. Et donc, il faut faire ça comme ça jusqu'au bout du rang. Et donc, le rang suivant, le rang 9, ce sera comme le premier rang.